Il y a eu une demande en mariage hier. Stony, tu étais d'ailleurs témoin. Oh, elle dit quoi? Elle était là-bas? Oh, ben, elle était au stade hier. Donc, il y a eu une belle demande en mariage. On a vraiment kiffé. Une vidéo que je vous invite justement à voir. Ah, d'accord. Waouh. Voilà, donc, la femme était très émue. Ça, une demande en mariage comme ça, ça ne s'oublie pas de si tôt, hein, honnêtement. Mais ça, c'est une demande en mariage bizarre. Comment ça? Pourquoi? Bon, attends, elle était triste à la fin du match ou bien elle était contente? Ça, c'est après ou avant? Non, c'est pendant le match, là, c'est à la mi-temps. Parce que... Il y avait 0-0. C'est la Ligue 1, là. La défaite des éléphants ne leur a pas fait mal. Hein. Mais elle était dans son bonheur. Femme a eu mariage. Mais en fait, comme c'est à la mi-temps, il y avait encore 0-0. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Donc je pense que c'est là qu'il a fait demande. Maintenant, c'est la fin. Mais si on nous a marqué qu'il a fait demande en mariage, on a volé bague là. Ah ah. Aïe. Quand on nous gagne, tu t'entends, c'est là que tu veux te reproduire. On peut faire ça. Mais il a bien choisi quand même. Oui, ça c'est une demande en mariage historique quoi. Ça va rester oui, ça dans la mémoire. Quand même. Dans la mémoire tout ça. Alors le deuxième dernier rapidement, c'est celui de Emma Loès. Hein. Pour plusieurs personnes, Emma n'est pas assez impliquée dans cette CAN. Comme il y a 2 ans en arrière, on avait Coco Emilia, on avait encore Nathalie Koa et d'autres influenceurs. Ben, on la voit là avec la mascotte là, ou bien c'est pas. Bon là c'était lors de l'ouverture justement. Lors de la cérémonie des tirages au sort de la CAN, elle était présente, mais après ça, c'est le silence radio. Non, je ne crois pas, parce que la mascotte n'était pas encore dévoilée. Hein. Ah bon? Je pense que c'est une cérémonie. Ce n'est pas la cérémonie de lancement par rapport à la chanson. C'est la cérémonie de la découverte. Ouais, peut-être la chanson de la CAN. La cérémonie de la découverte. C'est officiel, là. De la mascotte, de la découverte, voilà. C'est sa dernière photo. Parce qu'on l'a fait après le tirage au sort. Donc, on reproche à Emma Loès d'être retirée un peu. Pourquoi? Voilà. Ah, donc il ne faut pas s'occuper de ses affaires. Non, genre, elle ne supporte pas les éléphants, mais elle ne fait pas de publication. Elle ne fait pas de publication sur la carte. Mais elle est occupée, elle a ouvert son spa, elle est en train de chercher son argent. On cherche client. Chacun cherche son argent. Est-ce qu'elle, c'est la sœur de Jean-Louis Gassé? Ah non, ça dit le nom de qui? Non, il n'y a rien. C'est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, hein? Fais attention. On prie tous pour qu'ils soient en forme le jour, là. Parce que si c'est celui-là, il va monter sur le terrain. Même si Emma soutient pas, on nous a déjà gagné. Laissez-la tranquille. Laissez-la avancer. Bon, ah, après, est-ce que aussi le Cocan l'a impliqué aussi comme d'autres influenceurs, tout ça? Est-ce qu'elle est dans la liste? Ah, question. On est en train de causer, elle n'est pas dans la liste. Ah, c'est ça. Ah, parce que. Tu en gagnes quoi? Bon, moi, je me dis, on ne t'a pas appelé quelque part, reste chez toi. Ouais. Ah, c'est pas mieux. Ça n'a rien de parti, truc. Maintenant, après, tu fais les patriotiques. Et le patriote. Là, pourquoi Stony fait. Il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste, il est très patriote. Stony, tu n'es pas sur la liste aussi? Attends, c'est la mission, hein. Allons-y, allons-y. Avançons. J'ai cru qu'il était sur la liste. Alors, Didier Drogba au stade. On a eu cette réaction grâce à Stony, à qui on dit merci au passage. Vraiment, enfin, Drogba a compris ce qu'on ressentait depuis des années, ce qu'on a ressenti lorsqu'il était sur le terrain parce qu'il avait du mal c'est à la ce voix soir. De Stony qui est derrière. Il dit, Didier, Didier, faut rentrer, faut rentrer. Il a commencé par Drogba. Il avait du mal à s'asseoir, c'était compliqué. Ah ouais. Voilà. Ça fait mal. Non, mais honnêtement... Ça fait très mal. Honnêtement, ça fait vraiment mal, quand même. Mais au moins, grâce à toi, on a pu savoir... Ouais, ça veut dire aujourd'hui... De toute façon, nous, on souffrait. Quand il ratait penalty là. Ah. Et comme ça, il est en train de souffrir. Et 2000, là, maintenant, tu as 2012, là, non. Il a vu comment ça fait mal. Oui. C'est pas facile de supporter l'éléphant, hein. Ah. Ah, et puis, en plus, ce qui me fait mal, c'est-à-dire que pour aller bimpé, ceux qui sont bimpé, attends, on marche des kilomètres. C'est 10 kilomètres, hein, j'ai compté. On marche des kilomètres. Oui, oui, oui. Mais ce qui te fait mal, c'est pas la défaite. Mais comment tu vas retourner? Mais tu sais que si vous êtes gagné, vous pouvez chanter pour partir. Oui, ils ont chanté. Et justement, ils ont chanté. Ils ont chanté pour repartir, pour ne pas sentir la... Je sais pas, je me dis, c'est pour ne pas sentir la distance. Sinon, ils avaient mal au cœur. Oh, j'ai mal au cœur parce que quand ils ont réagi après le match, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Tu sais, moi, je prends ça comme une prière. Aujourd'hui, on a eu les résultats. On peut voir la vidéo? On n'a pas gagné. On n'a pas gagné. On s'en fout. Yeah, Ivoirien,
s'en fout. Oh. On n'a pas gagné, mais on s'en fout. Non, voilà. Non, on garde notre bonne humeur. Hein, ça nous permet même de nous consoler. C'est la fête du football. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de tristesse. Il n'y avait pas que les Ivoiriens qui chantaient. Les éléphants ont gagné les premiers matchs. Donc, je pense que ça devrait passer. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Pas de problème. Si on était éliminés, là. Non, attends. J'ai aimé le message du président de la République. Il les a félicités. C'est vrai? Les a encouragés. Il leur a dit. On est avec vous pour la suite de la compétition. Très bien. Donc ça, c'est un piège. Pour la suite de la compétition. On est avec vous pour la suite. Ça veut dire que vous avez intérêt à aller jusqu'à pour la suite. Après, on va vous arrêter là. Zambacro 2. Son 500 milliards, il a mis dedans. Il ne faut pas annoncer ici. Il y a des coins où on peut aller passer même un petit temps de vacances pour revenir. Il n'y a pas que Zambacro. Il y a même à Yopougon ici. Juste à côté là. Oui, oui, c'est pas loin. Merci les gars pour ce petit instant de gossip, ce petit instant de...